bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur South Park, l'anal du destin. Nous en sommes à l'épisode 19 et j'ai pris un niveau bien évidemment. Avant cela nous allons changer notre costume, je sais plus quoi prendre. Je crois que j'ai tout fait quasi, j'ai été une licorne, j'ai été dans tout ce qui était métallerie. Ah, j'ai pas fait celui-ci. Par contre les vêtements ça va être compliqué. Ça va être compliqué, peut-être le clavier, ça me dit quelque chose, il me semble avoir déjà eu ce costume. Aïe, 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 mais pas celui-ci, on va mettre celui-ci. Bon, alors là, c'est un gros mélange, c'est un gros bordel, les gars, mais c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Et donc, j'ai pris, comme je vous disais, un niveau qui me permet d'avoir un tout nouvel artefact mineur. Mais ça suffit parce que grâce à cela, en mettant un artefact de niveau 72 de puissance, ça m'augmente à 516, soit suffisant pour continuer notre incroyable aventure. Direction donc la planque de Cartman et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que c'est bientôt la fin du jeu? À voir, fille. Donc fille non, non. Autorisée, c'est parti. Ah, je suis reparti. Ça m'a saoulé, les gars. Ok, on est reparti, on l'a refait. Fille. Oh, putain, c'est lourd. Non, autorisé. Allez, désolé. J'ai failli repartir encore. Voilà, j'ai failli repartir. Bon travail, héros. Ces abrutis de potes de la liberté ne savent pas que tu les as baisés. Bon, écoutez bien. Trouduc a découvert que les potes de la liberté veulent entrer au poste de police ce soir. Il faut qu'on y arrive avant eux. Le poste de police? Les flics, c'est du trop lourd pour nous, t'es dingue. Ouais, il a qu'à laisser les potes de la liberté le faire. On peut pas, les mecs. Pourquoi? Parce qu'à environ 10h30 ce matin, Cassie a été arrêtée par les flics. Comment tu le sais? Putain de merde, bande d'enculés à cap! Vous m'aviez dit que vous protégiez mon petit cul. Je n'ai le droit qu'à un putain de coup de fil, alors vous avez intérêt à vous rabouler et à me faire sortir d'ici, bande de PD, connards de super-héros! On doit l'aider, les mecs. On a promis. Si on laisse les potes de la liberté le faire seul, c'est qu'on est vraiment une franchise de merde, comme ils disent. Mais pourquoi les potes de la liberté coopéreraient avec nous? N'oublie pas que le nouveau est très copain avec les potes de la liberté maintenant. Trouduc peut les amener à attaquer le poste par en bas pendant qu'on se faufilera pour faire sortir Classy. Les potes de la liberté vont probablement se faire tuer. Dans ce cas, qui deviendrait la franchise de super-héros numéro 1? On a promis à Classy de la protéger. Allez, tout le monde au lit, on a une grosse mission ce soir. Ce sera tout, Trouduc. Rentre chez toi et attends que les potes de la liberté te contactent. Quoi? Tu veux quoi, le nouveau? Quoi? Encore tes yeux de chien battu? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, le nouveau, certainement pas. Tu ne peux pas avoir de nouvelle classe. Écoute, je suis navré de ce qui est arrivé à ta mère. Je sais que tu aimerais tourner la page, mais... Oh. Non, je sais. Je peux pas me mettre à ta place. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que tu devrais avoir une autre classe. Ah, une nouvelle classe et c'est la dernière, donc je suppose que c'est la dernière phase, les gars. C'est parti. Comment choisir? Type spécialiste des arts martiaux comme Iron Fist. Oh, spécialiste des arts martiaux. Un herbomancien comme Poison Ivy ou Groot. Et là, c'est plus les soins. Compliqué. Je franchement arts martiaux. Martiaux. Arts martiaux, ça me paraît cool, putain. Ça paraît ça rax. T'es couché dans ton lit et t'entends ta mère crier. Tu sors dans le couloir. En tant que super-héros dragon volant, tu as concentré ton chi pour préparer ton corps au combat. Pendant que ton adversaire se gausse, tu saisis l'occasion de lui décocher ton dragon retourné. Alors... Les gars, il faut savoir un truc, c'est que l'alien que vous voyez en haut, là, voilà, hein, j'étais devant. L'alien que vous voyez en haut, il est quasi dans tous les épisodes, il fait une apparition, même subtile, dans tous les épisodes de South Park. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je tenais à vous le dire, c'est parti, on va faire donc ce sort. Élégant, tu l'envoies qui de derrière à la vitesse d'un escargot. Oh, c'est pas mal ça. Sans défense et ralentissement. Ah, tu crois connaître le kung-fu, hein, petit? Ok, je récupère, aucun souci. Ces idiots n'ont aucune idée des pouvoirs auxquels ils ont affaire. D'accord. Tu te centres et en pleine concentration, tu es... Ah, il est temps d'essayer une nouvelle outil. Il a l'air monstrueux, c'est parti. Ah, sale petit! Tu nous cherches là?
T'as gagné, petit! Tes ennemis sombrent dans une rage aveugle et s'en prêtent bêtement à ton corps protégé. Alors, je sais pas si ça vaut le coup. C'est donc du full support. Ah, pour après faire ma technique où j'attaque tous ceux qui sont contre moi. Tandis que la colère obnubile tes adversaires, tu te lances dans une ancienne et puissante danse du dragon. Ok, on va essayer. Elle m'inspire, j'aime bien. Oh, c'est pas mal ça. Je n'aurais pas dû douter de tes coups, désolé. C'est pas mal du tout. En tant que combattant honorable, le sort de ton adversaire ne te réjouit pas. Canalisant ton chi dans ta main, tu achèves ton ennemi d'un point de force de dragon. Ok. Ah, vache ! Ok, c'était plutôt cool en fait. Tu te précipites vers la porte de tes parents, et avant qu'un désastre se produise, tu voles au secours de ta mère. Trop tard, ton père l'a baissé jusqu'au trognon. Oh, tu dois être complètement dévasté. Comment des individus peuvent-ils commettre des choses pareilles? Je suis... Enfin, on a du pain sur la planche ce soir. Rendez-vous au poste de police. Y a rien d'autre à dire. Je te ferai signe ce soir quand tes parents te croiront endormi. Retirer le costume. Alors, on va retirer le costume, déjà. Pour commencer, les gars, aucun souci. On retire le costume. Et je vais changer mes sorts. Voilà, ça fera un peu de changement. Parce que j'ai des sorts pas spécialement utiles. Fiche de perso du Kun, ça c'est fait. Origine 4, ça c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va changer nos pouvoirs, les gars. On va changer clairement nos pouvoirs. Et déjà celui-ci, je vais le remplacer. Je vais le remplacer, je vais utiliser, je pense. Ah, ils étaient pas mal ceux-là à l'époque. Ouais, non, je pense qu'on va mettre celui-ci. Là, les gars, là on est sur quelque chose que j'aime bien. Je peux infliger saignement, je peux mettre en feu. Je peux avoir, allez, l'ulti support. Ah là là, je sais pas. Je sais pas, cette ulti est pas mal, l'ulti support aussi. Ouais, non, 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 vous savez quoi, je vais garder l'ulti cyborg. Je vais garder l'ulti de cyborg, c'est pas bien grave. On rentre à la maison, on va voir encore mes parents s'embrouiller, les gars. Rentre chez toi, et après, une fois qu'on est à la maison, eh ben, je pense que c'est la dernière phase de nuit, et tout va se passer. Ça va être incroyable. Il est temps de rentrer, t'énerve pas, pourquoi t'énerver? Gars, je vais aussi vite que toi, quoi? Il a accéléré d'un coup, c'était terrible. J'ai rien pu faire. Ils étaient bien trop nombreux, c'est parti les gars. On rentre à la maison. Mais oui, c'est ça, sers-toi un autre verre de vin blanc, grosse vache. J'ai besoin de boire pour te supporter. Cette marijuana t'a fait changer. Au moins, la marijuana c'est naturel. Pas comme le raisin. T'es défoncé. Peut-être, mais je ne raconte à personne les secrets de notre enfant. Va continuer tes délires parano dans ta chambre, Chris. Sers-toi un autre verre, Kelly. Va continuer tes délires parano dans ta chambre, Chris. Sers-toi un autre verre, Kelly. Ah, coucou, trésor. Papa va monter dans sa chambre. Et maman va se servir un autre verre. Ah, rentre chez toi, Filoli. Ok, on va voir un petit peu ce que la mère... Elle doit être en train de pleurer. T'inquiète, mon cœur. Une fois morte, je ne souffrirai plus. Ah, dur. Dur, 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 dur. C'est une dépression, je connais bien. Ok, les gars, c'est parti. On va aller fouiller mon coffre plus tard parce que j'ai ramené 20 yaoi. Ça, c'est plutôt cool. On va espionner avant le padré. Oh, mais toujours son cookie. Enfin, son brownies. Putain de connasse. Je te déteste. Sale pute. Ah, c'est peut-être des brownies à la marijuana, justement, non? Tout est possible. Allez, on file au lit. Avant ça, je vais juste récupérer dans ma boîte. Oh là là, pompeux, gominé et Scarlett, chignon, noué. Ça, c'est plutôt cool, des nouvelles coupes. Oh là là, et des nouvelles tenues. Hypersonique, les gants et le couvre-chèque. Le couvre-chef et non le couvre-chèque. Allez, c'est parti. Mon poussin... T'as oublié de manger ton dîner. Maman l'a mis sur la table. Allez, mon poussin, bien manger. T'as encore mis ces trucs dans la bouffe de notre enfant? La ferme, putain! Ta gueule! Comment on sait que ces médocs n'ont pas d'effet secondaire, hein? Comment oses-tu? Il a besoin de ces médocs! Aïe! Espèce de connasse bourrée! Espèce de toxico! Tu forces notre enfant à choisir entre nous, c'est ça, hein? Toi aussi, t'as mis des médocs dans sa bouffe. Je n'oblige personne à choisir. Descends manger, trésor. Ok. Bon, on va manger, les gars. On va aller manger. Avale ton repas. Tiens, je vais aller les espionner vite fait.
Ah merde, je peux plus regarder, dur. Ok, on va digérer le repas très rapidement. Hop, voilà, c'est bon. Et c'est ainsi que ma vie après 3 jours et 3 nuits intenses est toujours aussi nulle. Je suis finalement un super-héros, mais je suis avant tout un humain. Avec un cœur fragile. Allez, on se casse. Avale ton repas, c'est fait. Et on refile au lit, les gars. On va voir un petit peu ce qui va se repasser. Le nouveau, avec toi. On se retrouve devant. Dépêche-toi pour profiter de la nuit. Ok. Ok, il aurait pu laisser la fenêtre ouverte, mais bon, pourquoi pas. C'est parti, on se change, les gars. Et je suppose qu'on va devoir retrouver l'intégralité des clés qui se situent en bas, suit Mysterion jusqu'au poste de police. Pas de soucis, mais avant, il va falloir échapper au père qui est full alcoolisé. Il change de table basse tous les jours ou quoi, les gars? Ah non. Ah non. Ah, enfin, tu sais à quel point c'est difficile d'avoir l'air mystérieux en attendant dans le jardin d'un gamin. C'est super dur. Je suis content que tu sois là, le nouveau. C'était pénible d'être le seul de l'équipe à avoir de vrais super-pouvoirs. Pendant que les autres s'amusent et préparent leur projet de franchise, je dois protéger la ville contre le mal et j'ai à peine le temps de travailler sur mon film dérivé de Mysterion. Parfois, avoir des pouvoirs, c'est un peu une malédiction. Tu sais ce que c'est, tu es comme moi. Je suis sûr que tu traînes le pouvoir de ton cul comme un boulet. Mais y'a mes parents! Ça va! Tina, tu n'aimes pas en parler, hein? Pas de soucis, je comprends. Allons, on poste Tina, de police, où t'es passé? Tina! Tina, okay. Pardon! Je peux rentrer là où c'est la fête là? S'il te plaît, non! Je serai gentil, je te promets. C'est énorme les fêtes de quartier, putain! Ne me prive pas de sortie! C'est énorme là! Oh, Seigneur! Waouh! Les adultes de cette ville ont vraiment pété un plan! Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est parti en couille très très vite. Vraiment énorme leur fête de quartier. J'espère que vous aimez les œufs! Putain, ouais! Quelle bande de débiles! C'est pire que ce que je pensais! Ah putain, il chie ses longs morts. Ah, il est dégueulasse. Vraiment mystérieux, le nouveau. Et venant de Mysterion, c'est un sacré compliment. Ok. Regarde, il est bientôt au poste voilà. De police. C'est bon, nous y voici, les gars. D'accord, les potes de la liberté. Voilà le plan. Une fois à l'intérieur du poste de police, boîte à outils. Et le nouveau, front de diversion. Et ensuite, une minute. Et qu'est-ce qui... Allez les gars, il faut infiltrer le poste de police. Vous faites quoi ici, bande de branleurs? On est venu enquêter. On a une piste sur la police de South Park. Mais c'est ce qu'on fait! Oh non! Non, non, c'est notre mission de super-héros, les potes de la liberté! Allez vous faire foutre, les mecs! Tirez-vous avant qu'il y ait de la casse! Les gars! Il y a une gamine en détresse, là, je vous rappelle! Quickie a raison! Je suppose que pour cette fois, on peut mettre de côté nos petites différences et se serrer les coudes! D'accord, Mysterion, quel est le plan? Je crois que quelqu'un devrait faire diversion, pour que les flics se dirigent vers eux pendant que les autres entreront sans se faire repérer. Bonne idée. Le Coon et sa bande feront diversion par l'issue de secours pour que les potes de la liberté puissent entrer devant. Bizarre comme coïncidence. Vous nous avez encore piqué notre piste. Des innocents se font arrêter, boîte à outils. C'est tout ce qui compte pour nous. Et ça devrait être pareil pour vous. Bon, la bande, direction l'issue de secours. Allez, les mecs. On ne bouge plus. Il faut qu'on attende la diversion. Venez voir un peu ça. Allez, va voir. Donc je dois passer par où, les gars? Attends, regardez. Oh mec, c'est de la bonne là! Ouais, cette coke a pas l'air un peu bizarre? Non, non, elle est cool. Vous voulez qu'on appelle des putes? C'était quoi ce bordel? Venez, allons voir! Prenez la coke! Bien, allez, Tourduc! La voie est libre! Ok les gars, on est parti, on y va! Ah bah oui, mais oh merde, un criminel. Et il est avec un enfant innocent. Code rouge, assaut sur le poste de police. Moi, je m'attendais pas à ça. Ok. On n'a plus peur de rien ni personne. C'est à nous de nous occuper de ces mecs. Oh merde. C'est à nous de nous occuper de ces mecs. Non, vous déconnez. Ok, ça fait rien. C'est très bizarre. Mais c'est quoi ces conneries, putain? Oh là là, il a réussi à m'attaquer, mais quelle honte! Personne pour filmer ça, oh, au téléphone portable. Je vais t'en foutre, moi, des droits de l'homme. Ok, paye ton bug. Je suis rentré dans la police pour faire la fête, pas pour frapper des mômes. Ça risque d'être compliqué. On va essayer.
On va y arriver même, on va pas qu'essayer. Oh là là, ça c'est beau ça. Les laisser attaquer en premier. Je pense que vraiment c'était une bonne idée sur le coup. Ok, on est parti. Bah lui, on va lui mettre ce qu'il mérite très clairement. Ok, donc il y en a trois sous choc. Un seul saignement. Ça peut faire très très mal. Laissez passer Mystérion. Ça peut faire très très mal. Ok. Ah là, oh là là, il y a 4 coups carrément. Il nous faut des renforts. Oh merde, y'a un garçon noir parmi eux. Oh putain, les lourds. À mon tour maintenant. Les racistes. Ok. Quoi? Ah non. Ouais. Alors là, on a un problème. On a un problème, et pas qu'un peu mon neveu. Ah, c'est bon, je peux faire comme ça, ok. Je peux l'installer comme ça, impeccable. On va mettre notre tourelle, qui va infliger quand même quelques dégâts, mine de rien. Voilà, c'est plutôt cool. 124, c'est pas négligeable, les mecs. Hein. Tu as le droit de te faire casser la gueule. Wow. Ah, mais il tire, carrément. Oh, bordel. Ok, choc, ça inflige normalement à côté, c'est très bien. La justice va t'avoir. La vache! Oh non, oh merde, c'est dangereux, ça va, Intaz. Ok, c'est cool. Vous êtes en état d'arrestation. Je prends. Aucune faiblesse. Aucun problème. Appelez une ambulance. Trop de pression. Bon, bah là on va avoir un petit souci par contre. Le petit souci c'est quoi? Oh là là. Oh bah non, mais on aura aucun souci, c'est incroyable. Ce move de génie. Ok, ça c'est très très bon. Maintenant, on va faire ça. On va leur mettre clairement ce qu'ils méritent. Voilà, l'OHP, très très low. C'est HP. C'est quoi ce numéro de super vilain? Ah, par contre, je suis sur le choc. C'est l'heure de faire un peu de rénovation urbaine. Hop. Allez, on annule son tour parce que lui, il avait l'air assez fort. Vous pouvez passer. Je connais bien. C'est l'inspecteur en chef. Respecte l'insigne. Personne ne bouge. Waouh. Je suis toujours électrocuté. C'est à moi. Bon. Mysterio, on n'a jamais vu son ulti aussi. Par contre, en faisant ça, je peux faire très très mal, je pense. Je vais faire très très mal, c'est parti. Il est temps de découvrir son ulti. Agresseur neutralisé. À mon tour de m'éclater. What? Je suis un fantôme, vraiment, les gars? Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va rien faire, on va juste attendre notre tour. Bon, il va me taser comme d'hab. Attention, Trouduc, ce que je vois ne me rassure pas du tout. Je vais le tuer, ça me fait pas peur. Il est totalement mort, c'est gagné, bien joué à vous. Bien joué à vous, bien joué à nous. On est bon. Allez, ça fait combien d'XP? Ça fait de l'XP. Ça fait de l'XP, mine de rien. Ennemi public, bat 20 agents de police. Ok, on passe à la suite, les gars. Donc, c'est par où qu'il faut passer? C'est là-haut, je pense. Oh. C'est terminé. Rends-toi maintenant. Écoutez, je sais pourquoi vous êtes là. Vous en avez marre car vous pensez que tous les flics cherchent à persécuter les Noirs. Je sais que, à vos yeux d'enfant, les flics peuvent sembler racistes et intolérants. Mais il ne faut pas croire tout ce que les médias racontent. Les flics sont des gens comme les autres. Comme vous, vos amis, votre famille, des gens qui travaillent dur pour... Insurgés ! Ah ! Tupperware ! Bon sang, Levinsky, va voir l'état si j'y suis ! Oui, chef ! Et active l'alarme ! Aïe, aïe, aïe ! Cet enfoiré m'a tiré dessus ! Attrapez-le ! Mais il peut même pas bouger, Tupperware, là ! Ça ne va pas s'améliorer, mais ces flics doivent payer. Ok. Il y a des trucs à faire ici, hein, il y a des trucs à faire. Comme ramasser ça... On était sauvés par le Tupperware de Tupperware. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Ok. Ah, je peux acheter quoi? Ça peut être intéressant. Un artefact, très bien. 70, je sais pas si ça vaut le coup. Putain, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, on verra bien, les gars. On verra bien. Est-ce que ça valait le coup? J'en ai aucune idée. Ça remplaçait quoi? Peut-être ça, non? Aïe. Aïe, l'échec cuisant. Ah si, si, on gagne 10 de puissance, c'est plutôt cool. Allez, ça valait le coup, les gars. On va passer par ici pour voir. J'ai déjà tout fouillé. Aucun souci, il n'y a pas de yaoi. On peut y aller, les gars.
Direction la suite de nos aventures incroyables. Comment ça a l'air d'être une commande manuelle? Comment je peux passer devant cette tourelle? Je peux m'en occuper. Je peux mettre pause. Par contre, attendez, faut que je réfléchisse à ce qu'il faut faire. Et c'est juste aller là-haut. Très bien. On est parti. Attendez, bougez pas. Je me rapproche au maximum pour gagner un maximum de temps. Et on est parti, les gars. Oh non. C'est bon. C'est bon. Allez, on y va. Aucun souci. Putain. Il y en a une autre. Ouais, attendez, attendez. Ah, ça sent la fin du jeu, les gars. Hein. Vu comment c'est fait. Ça sent clairement la fin du jeu. Ok. On va pouvoir analyser avec le hamster. Très bien. Non, pas ça. Ah, t'es connu. On le refait. Voilà. Allez, on est parti, les gars. On va envoyer le hamster magique. Qui invoque? Il va me régaler. Oh, salut, le nouveau. Vas-y, viens ici, mon beau. Entre là-dedans. On charge. Oh, oh là là, ça c'est une belle visée, ça. C'est une belle visée qu'on Ciao. A là. Ciao. Et je peux pas tomber. C'est là. Bon, on y va. Je vais faire tout le tour. Ça c'est un petit peu terrible. On s'en sort plutôt bien jusqu'ici. Oh, oh, petit malin. Tâche de moine, je t'avais pas vu. Allez, c'est parti. Aucun souci encore une fois jusqu'ici. On s'en est bien sorti. Bon, c'est pas bien dur, les gars, hein, vous avez compris. Recette accélérateur. Une recette, ça peut être intéressant, ça, craft. Hein. On va voir. Allez, on va voir, les gars. Qu'est-ce qu'on a? Un artefact 100. Waouh! Je peux me le craft, ça, c'est fait. Un artefact de 90. Ça, c'est fait. Et un de 95. Ça, c'est fait. On est très, très bon. Oh bah alors là, les gars, on va pouvoir se régaler. On va pouvoir se régaler. Ça me fait peur, d'ailleurs. Ça me fait peur qu'on soit aussi bon. Sûrement les monstres, dira-t-on. Bon, non, au final, j'ai fait de la merde, en fait. Non, j'ai pas fait de la merde. T'y as cru? T'y as cru? Regarde-moi ça. C'est terrible, tout ce qu'on a. Oh là là. Oh, c'est beau, hein. Ah bah, c'est beau quand ça vient du cœur. Allez, on est parti. On va essayer de... Ah, on peut pas. Je commence à me dire que c'était une... Hé, hey, sortez-nous de là. Wow. Token, tu es là, mon garçon. Papa, mais qu'est-ce que tu fous ici? Unité gagnée. Artificier épique terminé. Ok. C'est verrouillé par ici. Créateur maître, ça c'est fait. Yo tout le monde. Hé, hey, c'est toi le petit enfoiré qui m'a fait coffrer? Voilà, tu faisais le malin. On parle pas mal. Ils ok, c'est un gros combat là, les gars. On est parti. À terre, à terre. On est parti, moi ça me fait pas peur. J'espère qu'on va pas être que deux. C'est bon, on est quatre. Bon! Je vais vous cogner, vous mettre à l'ombre. Je pense qu'il faut se splitter. On va se splitter calmement. Je t'arrête. Ça va, ça fait pas trop mal. Ok, ils me mettent sur la même ligne. En bouge plus. Oh vache, tout ce que je prends. Une tempête approche. Ok. On va les mettre sous choc. Eux, c'est fait. Donc je vais en mettre deux à gauche, deux à droite, vous l'aurez compris. Ou alors on unit nos forces pour s'occuper. Ah, je sais pas trop. Quoi qu'il arrive, c'est problématique là, le placement. Le placement est clairement problématique. Par contre, je peux faire ça et ça, c'est cool. Ça va pouvoir le mettre en combustion. Il va falloir au moins 6 verres pour me remettre. 223, c'est terrible. J'ai dû. Ah, on a dû annuler, les gars. Ok, ça a pris choc. On passe en anti-émeute. Ouais, il est temps de cogner. Là, on va avoir un petit souci. Et pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Ça va décaler tout le monde, non? Et ça, ça va être plus de dégâts. Non, on revient au même, en fait. On revient au même. Ok, je vais essayer. On va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Oh là là, bah oui. C'est pas mal du tout, ça. Super wear, pressure garantie. Ok, Tupperware, le problème c'est qu'il ne peut pas attaquer deux personnes. Mais il peut en attaquer une, donc voilà ce qu'on va faire. C'est parti, mets une tourelle ici et régale-moi s'il te plaît. Elle peut faire le boulot cette tourelle. Ah putain, elle a déjà mis d'HP, c'est terrible. Voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait.
Ok, ça c'est cool. Ça doit être super pour vous de voir les forces de l'ordre à l'œuvre. Tu n'as pas l'air en forme. Ok, ma tasse à bout portant, c'est un joli coup. Combustion qui proc. Compliqué mais faisable. Je m'inquiète pour toi. Ok, il m'a mis de la lacrymo. Vous n'avez jamais vu de météo pareil. Attendez, si je fais ça. Si je fais ça, j'ai les deux sous choc, c'est pas mal du tout. On va faire ça. Tada ! J'ai fait un éclair ! Choc, c'est pas mal, les mecs. Bon ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire ça. On va faire ça, je me débarrasse du mec le plus chaud. Et ça, c'est plutôt cool. Heureusement que j'ai gardé cette ulti, finalement. Allez, ça, c'est putain. Quoi ? 5 HP ? C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer. Vous avez le droit de la boucler, Elvanie. Waouh ! Ok, un mort. On a de bons vieux troubles à l'ordre public. Là, choc, normalement, il meurt. Ouais, c'est pas encore fini. Quoi ? Ah, c'est j'ai eu peur. Petite crise cardiaque, ça fait plaisir. Hein. Allez. Lui, on lui met ce qu'il mérite. 4 coups. Ah, continuez, les gars. Faut pas l'oublier. Blablabla. Je suis mort. Ah mais attendez, quand je meurs, je deviens fou. Protéger l'innocent, appliquer la loi. Donc je suis pas mort finalement. Ça c'est intéressant, on va faire ça. Hop, ça, ça dégage. Les poches de la liberté gagneront. Aucun problème, la tornade est vraiment cool parce qu'elle repousse. Il reste plus que lui. Oh lui il va nous faire mal. On a perdu un pote. Ok, il peut one shot, lui il est un peu terrible. Oh, 160 le choc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux mettre que support. D'accord, vas-y, on va faire ça. En fait, il est incroyable, Mysterion, là. Voici, tu peux il a que 50 HP, mais il est incroyable. Là, juste pour le faire chier. Ah putain, on peut pas, dur. Oh, c'est un mauvais moment qu'on a là. Ok, il est congelé, il peut rien faire. Combustion, ça le tue. Super. GG les gars. Allez, ça c'est fait. C'est pas mal d'XP. Oh, hyper vert, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît être assez intéressant. On ira peaufiner tout ça. Bas, 20 agents. Ils sont les suivants. Tu crois vraiment que les flics s'amusent à interpeller les noirs sans raison valable? Et ça servira à quoi? Ça s'appelle de la discrimination Harbour. Si on était tous des flics noirs et que nos prisons étaient remplies de blancs, personne ne dirait rien. Alors, laissez-moi vous dire, les vrais sectaires ici, c'est vous. Vous comprenez? Bon, allez. Non? Eh merde. Ok, on est reparti, on continue les gars, on s'arrête pas. Sûrement un boss. Non, c'est encore verrouillé, putain, les mecs. Attendez. Ouais, c'est compliqué là. Oh, bah oui. Allez, carte d'accès aux cellules. On peut les libérer ou pas? Peut-être pas. Si, c'est bon. On est innocent, alors se tirer de prison n'est pas un crime, pas vrai? Je vais pas rester pour le découvrir. Ça sent le recours collectif. Cour suprême, nous voilà. Token, j'étais pourtant appris à être prudent. Mais mange, je défendais la justice. Peu importe ce que tu défendais, tu aurais pu être blessé. Mais tu peux rouer, peut pas, il est imperméable à la douleur. Et est-ce qu'il est imperméable aux fessées? Non. Exact. Ok, on peut continuer. C'est parti. On va tout ramasser. Hop, ça on va ramasser aussi. Encore de nouvelles énigmes. Pour l'inspecteur Gadget, qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est mort. Ah! D'accord. Très bien. Ok. Hop, on va faire ça. Et bien voilà, c'est beau ça. Allez, on revient. Aucun souci. Bon, j'ai eu quelques artefacts assez sympas. En tout cas, je suppose. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mis à part des posters bien sympas.
Ok, est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour? Allez, on va regarder quand même les artefacts, si on peut encore s'améliorer. Hop, je rapproche le micro au cas où il était trop loin. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, bah bien sûr, voilà. On a ça et on a ça. On est bon, 600 de puissance, les mecs. Grande puissance, tu m'étonnes. C'est un peu exagéré, non? Je vois pas l'interrupteur. La bouteille de propane. Ok, je vais où la mettre? Faudrait trouver un moyen de couper le courant, comme l'autre fois. Ok, je vois où la mettre, la bouteille de propane, par contre. Oh non, j'étais pas dedans. C'est tellement injuste, je me suis arrêté juste devant. Ok. Allez, c'est parti. Mais cassez-vous! Je vois pas l'interrupteur. Ah d'accord, c'est très bizarre, on a eu un bug, mais c'est pas grave. Faudrait trouver un moyen de couper le courant comme l'autre fois. T'inquiète pas, je m'en occupe. Voilà. Très bien, on a des souris. On va tout ramasser, non, on peut continuer. Ah ouais. Mais c'est chiant, c'est pas l'interrupteur par contre. C'est juste du tissu, ça c'est terrible. C'est une terrible histoire que nous avons là. Et par les tuyaux. Oh! On a quelque chose, mais qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est lui, non? Non, pas du tout. Alors ça peut être cerf-volant. Yes! Logique et élémentaire! Allez, vas-y, régale-moi. Emmène-moi tout là-haut. Allons-y! Et ben voilà. Non. Cet endroit me fait une drôle d'impression. Oups, voilà. Raté. Pas grave, réessayons. Allez, casse-toi mec, je réessaye pas. C'est hors de question. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on fait ça. On amène le hamster. Ok. Péter les plombs, c'est parti. C'est pas bien dur les gars. Qui invoque le chaos? Faut bien prolonger la durée de vie sur la fin. Viens ici, mon beau. Les cinématiques, ça se mérite, les gars de South Park. Ok. Visée parfaite, les amis. Les deux. Bye bye. Ok, les deux sont KO, impeccable. Allez, tu peux y aller, frérot. Ouh, te revoilà. On est parti. Paré au décollage. Heureusement qu'on m'a attendu, sinon c'était terrible de le réinvoquer. Ah, mon costume double maintenant. A plus, mec. Allez. Fais-moi rêver un peu, là. Oh, regardez. Et ouais, mon gars. Peut-être que personne ne l'avait vu. Je suis un génie. Ok, on va aller là-haut. Hop, ça en ramasse aussi. Recette chevauchement. Oh, on peut faire pas mal de trucs sympas encore de nouveau. On va aller s'attarder dessus. Hé, hey, nouveau, faut qu'on se faufile malgré ce mec jusqu'à la porte qui est là-bas. Est-ce que si je fais ça... Yes. Ça me paraît être la meilleure des idées. Donc ça bloque dans les tuyaux. Boîte à outils toujours bien munie. Passe devant. Allez, c'est parti. Pas du tout ce que ça va faire. Bravo. Ok, ça a tourné un écran et... Je le fais tomber sur lui, je suppose. C'est nappe. Cool. Je veux dire, ridicule. Cool, allons-y. C'est ridicule. Ok. On va faire ça. Jusqu'ici, aucun souci. Toujours. Voici venir, ah, c'est chiant de les invoquer par contre. Faudrait qu'ils viennent vite, mais bon. Là, tout doux, mignon. Pour le style, les gars. N'oubliez pas que c'est du jeu de rôle. Allez, c'est parti. Yahoo! On peut ouvrir. Ciao! Mais en fait, c'est surveillé chez les gens, les mecs, là, non? Encore une histoire malsaine. Tu sais ce que c'est un flic, le nouveau? Un flic, c'est un esclave. Un robot à qui on inculque de ne pas réfléchir. C'est les politiques, les vrais sectaires. Le maire restait dans son bureau à nous dire qu'il faut qu'on change de méthode. Le seul moyen de la virer, c'était d'augmenter la criminalité. Maintenant, les flics vont pouvoir reprendre les vieilles méthodes. Tu vois pas que c'est mieux pour tout. Bon Dieu de merde, c'est sacripant! Quoi? T'as retrouvé le chat disparu, Troduc? Les potes de la liberté, on tient le chef de la police, au dernier étage! Que dire, vous me tenez par les couilles. Ou presque. Vous savez, tous les prisonniers qu'on a ici ne sont pas noirs.
On en a aussi un blanc. C'est un piège. Je suis désolé, mais vous ne me laissez pas le choix. Il tient encore la forme, malgré tous ses sandwichs bourrés. Il s'appelle Jared, et il tient encore la forme. Hé, les enfants, vous voulez des bonbons? Oh merde, c'est Jared! Ne m'en voulez pas, mais je préfère ne pas regarder ça. Ok, combat contre Jared, le pédophile. Oh, j'adore les...